Comment? Vous tournez un film? Un film qui veut dire quoi? C'est un film sur Manu, mon mariage. C'est un film sur un vieux con. Ouf. C'est un projet de film que j'essaie de faire sur mon père cinéaste. À quel âge tu as perdu ton œil? Grâce à l'œil que j'ai perdu, je suis devenu caméraman. On voit que c'est vide ici, qu'il n'y a rien. C'est tout à fait Manu, ça, qui est en train d'embobiner encore quelqu'un. Il disait l'autre jour, si tu n'avais pas été prêtre, tu aurais pu être pire. Mais que je suis devenu prêtre, je ne suis pas devenu crapule. Mais c'est pas comme ça qu'on arrange un problème, bon sang. Comment? Un peu de caractère. T'as vraiment de la chance qu'il t'oublie, hein. Il t'oublie, hein. Premier film que vous avez réalisé et qui est le début d'une longue série. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Oh, c'est comme si j'étais à la fête, moi, ici, à la kermesse. J'ai cette sensation, en filmant les gens, de les caresser. Ça traduit vraiment une grande passion que vous avez en vous, en fait. Hein. Je ne comprends pas comment tu peux faire pour pas me reconnaître. Mais parce que je suis vieux. C'est vrai que j'ai eu une vie secouée et secouante. Par moments, j'en sens encore des traces. Pourquoi ça, Marguerite, ce cachet-là? C'est pour la sexualité. Bonne humeur. La sexualité dans la bonne humeur. Ça fait de l'effet après combien de temps? Assez vite. Oh, ma chère.